Stéphanie? 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 Oui, madame. Madame, je suis là, madame. Oh, c'est quoi cette odeur? Est-ce que tu as pris bain aujourd'hui? Et d'ailleurs, combien de fois dois-je crier ton nom avant que tu viennes? Es-tu sourde ou quoi? Non, madame. Contrôle-toi et reste droit quand je te parle. Tiens-toi droit. Oui. Tiens-toi convenablement. Et apporte-moi un verre de jus. Et autre chose, n'oublie pas de te parfumer avant de venir. Quelle odeur! Madame. Reviens ici. Est-ce que ce verre a été lavé? Oui, j'ai lavé ça. Est-ce que tu avais lavé ces verres? Oui, madame. Donc tu veux dire que tu avais lavé ces verres? Oui, madame. Essayes-tu d'insinuer que mes yeux ne voient pas bien? Non, madame. Approche, viens tout près. Allez, viens, approche. Ah! Es-tu malade? Es-tu folle? Dégage! Sale vermine! J'ai dit dégage! Sors d'ici! Malchance! J'étais prise au village. Mais jusqu'à présent, je n'arrive toujours pas à t'habituer avec la vie d'ici. Insensé! Sale ordure! Elle a pollué partout. Stéphanie? Stéphanie? Stéphanie! Je t'en prie, peux-tu m'aider avec ma robe? Tessie, que fais-tu ici? Je suis désolée, j'étais en train de porter et la fermeture ne marche pas. Peux-tu m'aider avec ça? Tessie, donc tu as laissé spirituel pour venir physiquement à moi? Stéphanie, s'il te plaît, je suis un peu perdue. De quoi est-ce que tu parles? Si tu y as envie de te perdre, tu seras perdue dans ma vie aujourd'hui, demain et pour toujours. Donc tu as laissé ta chambre pour venir dans la mienne en me demandant de t'aider avec ton habit. Es-tu déjà venue ici pour arranger ton habit dans cette chambre? Mais Stéphanie, je suis venue te voir pour que tu... La ferme! Et sors de ma chambre! Maintenant même! Grande sœur... Tessie, sors! Va-t'en! Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une sorcière? Ça veut dire qu'à ton réveil, tu l'as vu de tes propres yeux, devant toi? C'était vraiment devant moi, maman. Ça me faisait très peur. Je suis en vie. Tu ne seras jamais asservie. Tu ne seras pas esclave de ta jeune sœur. Jamais. Jamais. Ah! Mais chérie... Ça pourrait être la fièvre. Tu es stressée. Maman, ce n'est pas la fièvre. C'était vraiment réel. Je l'anéantis. Je l'anéantis au nom de Jésus. Amen. Je l'ai...
Sois pas effrayée, c'est moi ta mère et je suis là. Rien de mal ne t'arrivera. Amen. Si elle vient ici, on en finira avec elle ici et maintenant. Ne te fraye pas. D'accord, maman. Mais tu dois quand même commencer les cures de malaria. Il n'y a pas de problème, maman. Regarde ton amie. Elle ressemble à une folle. Allez, arrête. Je jure, c'est la folie. Elle est comme maman. Salut, Stéphanie. Tessie, reviens ici. Combien de fois t'ai-je interdit de ne jamais entrer dans ma propriété? Oh, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'a donné ce courage d'entrer dans ma chambre pour vraiment toucher mes habits? Tu t'es trompée, ma sœur. Cette robe est la mienne et non la tienne. Rappelle-toi, je t'avais demandé et tu avais refusé, alors je m'étais décidée d'aller m'en acheter. Mensonge. C'est vraiment du mensonge. Alors pourquoi je ne vois pas la mienne dans ma garde-robe? Comment expliques-tu ça? S'il te plaît, je viens juste de rentrer à la maison, je suis très fatiguée, cette robe n'est pas la tienne. Enlève ma robe maintenant. Stéphanie, je t'ai dit que c'est pas ton habit. Allez, enlève ça. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Et donc tu commences à te battre contre ta propre sœur. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ta jeune sœur, pour l'amour de Dieu. As-tu une autre sœur? Et toi aussi tu es là, en train d'observer. Comme qui arbitre? Tu ne peux tout de même pas les séparer? Je le savais. Tu ne demandes jamais. Tu ne cherches même pas à savoir c'est quoi le problème. Tu viens directement te mêler dans l'affaire. C'est ça le problème que j'ai avec toi. Ça, c'est ce que tu fais. Tu es toujours de son côté. Donc tu es juste là en train de les observer. Tu devrais les séparer, c'est ça que j'attends de toi. Tu dois bien élever ces filles. Pas de cette manière. Je t'ai dit mille et une fois, ne sois pas toujours du côté de Stéphanie. Elles sont des sœurs. Elles sont des sœurs, elles ont le même sang. Élève-les convenablement. Ne la dresse pas contre sa sœur. C'est de cette façon que tu veux les élever. Et toi, n'es-tu pas leur père? Apprends-la de bonnes manières. Apprends-la. Et laisse-moi m'occuper de ma fille. Tu en fais de trop. Apprends à poser la question avant de prendre sa part. Tu viens toujours à ses côtés et c'est pour allumer le feu. Laissez-moi vivre un peu avec ma fille. Qu'est-ce que c'est honteux. Papa, pourquoi est-ce que maman me déteste autant? Elle m'appelle maintenant une enfant maudite. Et ma sœur ne fait que se quereller avec moi. Écoute ma fille, tu n'es pas une enfant maudite. T'es une bénédiction. T'es même une bénédiction splendide. D'accord? Écoute, ne te mets pas à écouter ce qu'elles disent. Ok? Juste sois positif et c'est tout. Ça va? Ça ira, viens ici. Ok papa. Ça ira. Franchement, ça fait très longtemps. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir chez moi. Merci, Votre Majesté. C'est moi qui ai l'honneur. Je te vois toujours à côté de deux jolies filles. Merci, Votre Majesté. Ah, mes chers, vous n'avez pas à me remercier. Juste en les voyant, je peux comprendre qu'elles se portent très bien. Ok, c'est une bonne chose. Votre Majesté, nous n'avons pas de choix. C'est pour leur cause que nous dépensons l'argent. Oh oui, voilà, donc nous n'avons pas d'autre travail. On ne peut que dépenser pour elles, c'est tout à fait normal. Tu sais, en les voyant, tu comprends directement que l'argent va où il devrait aller. Vous savez, un ami à moi un jour a dit, lorsque tu as l'argent, où que tu le mettes,
ça se fera voir. Exactement. Si tu décides de le mettre dans la poche va gonfler. Toi, tu as décidé de le mettre sur tes enfants. Regarde leurs joues. Bien, j'espère que leur mère est également en bonne santé comme elle. Oh, bien sûr, bien sûr. Mais elle n'est pas là. Non, malheureusement, elle est partie voir sa famille. Eh bien, elle n'a pas pu venir à temps parce qu'elle a manqué son vol. Alors nous nous sommes dit de venir. Vous voyez cet homme ici? Oh, celui-ci? Cet homme ici est l'un des pionniers de la fondation de mon royaume. Son argent est partout et je peux le sentir ici. Il utilise son argent pour construire notre beau royaume. Il a un grand cœur. Il aime aider. Je suis honoré, Votre Majesté. Les membres de mon cabinet ont décidé de te nommer comme chieftain de notre royaume. Et je pense que cela te va. Ou dis-moi, qu'en penses-tu? Tiens donc, Votre Majesté, vous avez déjà fait beaucoup pour moi. En fait, ce que j'ai fait dans cette communauté, je l'ai fait de tout mon cœur. Je veux dire, je l'ai fait de ma propre volonté et je ne m'attends pas à ce titre de chieftaincy. Oh oui, je sais. J'en ai déjà beaucoup. Je sais. Tu en as beaucoup. Mais oui. Tu n'as pas une récompense au titre de chieftaincy sous mon règne. Oh bien, Votre Majesté, je veux dire, qui suis-je pour dire non? Quand le grand roi du royaume d'Isselo dit que tu dois faire quelque chose, tu dois le faire. Oui. Je ne peux que dire oui. Oh oui! Alors, pouvons-nous maintenant aller manger un peu? Oh! Donc cette odeur était l'odeur du repas qu'on nous préparait? Oui! C'est censé descendre. Ça doit aller là-bas. Allez, merci, Votre Majesté. Oh, la routine n'est fait que vous appelez, voilà. Tu dois me payer mon argent, sinon, Rose. Tu es un fou. Ta tête ici ne fonctionne pas très bien. Fou, c'est ce que tu es. Qu'est-ce qui se passe ici? Je pense que cette question devrait être posée à ta stupide. Allez, tais-toi et ferme-moi cette bouche. Comment oses-tu entrer dans la parcelle de mon père et insulter ma sœur? Pourquoi ne devrais-je pas l'insulter? Non, dis-moi, pourquoi ne devrais-je pas l'insulter? Quand ta sœur et moi avions une transaction d'affaires et elle pense pouvoir me baiser, alors écoute-moi très bien. Tu dois me payer mon argent, sinon... Sinon quoi, jeune homme? Comment oses-tu lever ton sale doigt et la pointer à ma sœur pendant que tu t'adresses à elle? Oh, donc tu veux la frapper? Tu es vraiment sans vergogne pour venir te disputer avec une femme. Veux-tu te battre avec une femme? Veux-tu? Allez, dégage de là avant que je n'appelle la sécurité. Je dis, va-t'en, casse-toi. Pars, dégage. Allez, okay, avance, okay, okay, va-t'en. Okay, pas de problème, je m'en vais. Mais toi, écoute-moi très bien. Je m'en vais, mais tu ne vas pas t'en... J'ai dit, va-t'en, qu'est-ce que tu fais là? Pars. Insensé, espèce d'imbécile, c'est ce que tu es. Il n'a même pas honte de venir me menacer ici. Qui t'a invité dans cette affaire? Occupe-toi de tes affaires. J'essaie juste d'aider. Arrête ça. Espèce de stupide fille. Dégage d'ici. Tu as de la chance parce que j'étais de bonne humeur. Sinon, j'allais vraiment t'étrangler. Imbécile. Oh maman, tu devais vraiment voir cette robe. Elle est très belle. Classique. Je le sais bien. Oui. Alors, aujourd'hui, je vais vraiment être... toute belle maman. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur, que le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Stéphanie. Oh mon Dieu! J'ai complètement oublié. Ça m'a échappé. Comment tu ne peux pas oublier? Si ce n'était pas à cause de ta fille que tu préfères, tu n'allais même pas te souvenir de ça. Oh, tiens donc. Ne dis pas ça. Je suis désolée. Papa. Tu sais que tu ne m'aimes pas vraiment. Stéphanie? Oui, c'est comme si les choses qui me concernent ne te disent rien du tout. Mm-hmm. Tiens donc, Stéphanie, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, ma fille. Je suis ton père. Le problème est que ces derniers temps, j'ai beaucoup de travail. Et je n'ai pas pu me souvenir. S'il te plaît, ma fille, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Allez, Stéphanie. Oh, tiens donc. Comment peux-tu dire qu'il te déteste au moment où il est très occupé au travail? Peux-tu l'affirmer? Garde ton opinion stupide. Hey! Oh, Steph, pas ça! Tiens donc! Elle veut juste que tu me comprennes. Oh, oh s'il vous plaît. Steph, ne permets à personne de gâcher ce jour qui est spécial pour toi. Ok? Dis-moi, comment tu as déjà planifié ta journée aujourd'hui? Des bonnes choses. Mm-hmm. Un bon moment avec mes amis. Mm. La musique. Oh mon Dieu, ça sera très merveilleux. Ok, dans ce cas, nous nous ferons de notre mieux pour que ta journée reste inoubliable. C'est vrai, maman? Alors, je crois qu'il y a encore une autre surprise. J'ai une surprise pour toi, grande sœur. J'ai une surprise pour toi, Stéphanie. Tadam! J'ai acheté ceci. Je sais que tu aimes ça. Ça te plaît, n'est-ce pas? Es-tu dans ce siècle? Tu m'achètes un mauvais parfum le jour de mon anniversaire? Avec tous ces cadeaux qui existent dans ce monde, et toi, tu choisis ce mauvais parfum pour le donner à moi, Stéphanie. Hey, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, ma fille? Pourquoi ne pas tout simplement la remercier? Juste remercie-la. En fait, elle t'a apporté un cadeau. Et ce parfum n'est pas bon marché. Ça coûte cher. C'est comme ce qu'on utilise à Paris. Tiens donc, c'est le cœur qui compte. Ce n'est même pas les cadeaux. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ok, très bien. Je vais me racheter, ok? Ok? Alors, qu'est-ce que tu veux pour la ton voiture. Anniversaire? La voiture, papa. Oui. La voiture, papa. Oui, je crois qu'il est temps pour que j'aie une voiture. Tous mes amis ont quand même un petit modèle de voiture, excepté moi. Il est temps que j'aie aussi une voiture. Mm-hmm. Stéphanie, je ne vais pas t'acheter une voiture. Oh oui. Dis-moi autre chose, je le ferai. Mais pas une voiture parce que tes amis conduisent les voitures. Non. Ça fait un temps que tu es à l'université. C'est pas maintenant que tu le mérites. Finis d'abord tes études et je vais t'en acheter une. Si vous finissez avec ta soeur au même moment, je vais vous acheter deux voitures. Voilà. Mais pour le moment, je ne t'achète pas de voiture. Fais avec. Merci, papa. Merci énormément. Merci de me traiter de cette façon. Merci de me détester. Merci de détruire ma journée. Merci. Les anciens. Je vous ai appelé ici pour une annonce très importante. Mon fils aîné, Jeffrey, qui étudie aux États-Unis d'Amérique, sera bientôt de retour à la maison, juste après sa collation. Alors c'est un grand événement pour cette famille royale. C'est une grande nouvelle, Majesté.
d'apprendre que notre prince rentre finalement à la maison, à la terre de ses ancêtres. Oh oui. Je pense que ça demande une célébration, n'est-ce pas? Absolument, oui. Ça demande vraiment une célébration, bien sûr. Oui, célébration, et cette célébration commence maintenant. Oh, exactement. On doit les célébrer et nous sommes prêts pour ça. Tout à fait, Majesté. Oh oui. Tout à fait. Idika. Votre Majesté. Va et apporte-moi ces magnifiques vins de palme là. Bien, Votre Majesté. Ils en ont besoin. Ok, Majesté. Nous en avons besoin. Imagine que cet idiot se vaut rien. Il ne sait même pas se parfumer. Ils sont mauvais. Mais il voulait me taper. Moi, Stéphanie. Sérieux? Je suis sérieuse. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui avais dit qu'il n'est pas de ma classe. Il avait commencé à me supplier, mais disons que l'argent c'est rien, gardons juste les bonnes relations, bon, tout ça, tout ça. Nous voici, talala. Je me demande finalement pourquoi vous n'êtes pas venu. Vous auriez dû être là pour assister à tout ça. Pourquoi vous avez raté? Honnêtement, vous n'étiez pas là quand on l'a déclaré la première étudiante à obtenir son diplôme. Pas seulement ça. Elle a gagné le prix de la meilleure étudiante de l'année. Toutes mes félicitations, mon amour. Vous devez la féliciter. Tiens donc, Stéphanie, félicite ta sœur. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'elle s'incline devant elle? Juste parce qu'elle a eu son diplôme? Est-elle la première diplômée dans ce monde? Je me demande. Ne dites pas ça. Vous devez l'encourager. C'est ça. Ma fille, pourquoi tu ne peux pas féliciter ta sœur? Au lieu de changer ta face, tu dois avoir honte de toi. Tu as déjà fait 7 ans à l'université pour un programme de 4 ans. Oh oui, tu n'as pas encore obtenu ton diplôme et je ne sais même pas si tu en obtiendras un jour. Et pourquoi tu fais ça? Tu dois encourager la bonne personne. Qui devrions-nous encourager ici? Celle qui est encore à l'université et on ne sait même pas si elle aura un diplôme? Ou celle qui est lauréate et a obtenu son diplôme comme meilleure étudiante de l'université. Viens ma fille, telle Tessie, tel père, telle Stéphanie, telle mère. Viens ma chérie, allons-nous-en, viens ma chérie. Très bien, allons-nous-en. Lauréate, très bien. Telle Tessie, tel père, telle Stéphanie, telle mère. Maman, peux-tu imaginer? Peux-tu imaginer que papa vient de se moquer de moi? Où ça? Ce travail commence à me fatiguer. Ces boulots, j'en ai marre. Ah, c'est quoi? Pourquoi tu en as marre de ce travail? Dis-moi. C'est Madame Stéphanie. C'est Madame Stéphanie qui me fatigue. Elle est très méchante. Pourquoi elle ne peut pas se comporter comme sa sœur Madame Tessie? Pourquoi? Hein? Écoute-moi, laisse-moi te conseiller un peu. Oublie à propos de Madame Stéphanie. Concentre-toi sur ton travail. Madame Tessie, Madame Stéphanie ne sont pas pareilles. Sont deux personnes différentes. Je sais. Je sais que les gens ne sont pas les mêmes. Mais Madame Tessie dépasse de loin Madame Stéphanie. Elle la dépasse vraiment. Là, c'est ton problème. Écoute, Madame Stéphanie, depuis qu'elle est allée à l'université, jusqu'à présent, elle n'a toujours pas fini. Mais Madame Tessie, qui s'est rendue à l'université il n'y a pas longtemps, elle a fini. Et c'est là, avec la meilleure cote. Elle est la meilleure. Tu sais quoi? Pour ce que tu viens de dire là, je suis d'accord avec toi. Madame Tessie comprend les choses facilement. Hein? Madame Stéphanie ne comprend rien du tout. Mm-hmm. Regarde, lorsque Madame Stéphanie et Madame Tessie sont allées à l'école, Madame Tessier est revenue avec beaucoup, beaucoup de diplômes. Mm-hmm. Mais Madame Stéphanie, rien du tout. Zéro. Tu vois de quoi je parlais? Il n'y a rien dans sa tête. Elle ne sait absolument rien. Elle voilà ne sait rien. Voilà, regarde, ma chère, laisse-moi te conseiller. Maintenant là, tu dois rentrer dans ton poste. Moi également, je vais rentrer dans mon poste avant que je ne me fasse virer. Rentre à ton poste. Moussa, c'est à moi que tu parles? Oui. Je ne vais pas te donner à manger aujourd'hui. Tu verras. Quoi? Tu dis quoi? Ne me cherche pas de problème.
donc ces imbéciles de serviteurs ont le courage de dire que Tessie est meilleure que moi? On verra. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, madame. J'ai demandé qu'est-ce qui se passe ici. Madame Tessie m'a demandé de préparer les riz pour elle. Combien de fois dois-je t'interpeller qu'il n'y a que deux madames dans cette maison? Donc il y a ma mère et moi-même. Combien de fois tu me montres ton imbécilité? Maintenant, prends cet argent et va me chercher le chips. Qu'est-ce que je dis? Le chips. Bien. Vas-y. Es-tu malade? J'ai dit, va me chercher les chips maintenant. Va-t'en. Madame, j'irai, mais il faut d'abord que je finisse à préparer. Tu as besoin d'une autre gifle apparemment. Donc tu veux que je gifle ton sale visage encore? Alors, sors. Je dis, sors d'ici. Maintenant. Espèce d'imbécile. Stupide fille. Tessie. Maman. C'est toi qui as mis la nourriture au feu? Non. N'est-ce pas que ça sent le brûlir? Oh, je sens. Maman, hein? Peux-tu imaginer qu'une levette, elle a laissé la casserole sur la plaque pour que ça brûle? Hein? Oui. Levette! Levette! Ben, peut-être qu'elle est allée voir l'un de ses petits amis. Stéphanie. La ferme. La voilà. Allez, viens ici. Tu veux nous brûler vif? Tu veux incendier la maison? Madame, est-ce que ton père, ou ta mère, ou encore tes grands-pères ont déjà habité dans ce genre de maison? Avant d'être ici, as-tu déjà rêvé ce genre de maison? As-tu déjà vu cette maison? Et tu veux nous incendier ici? S'il te plaît, pitié, calme-toi. Allez, ferme ta bouche! Tu veux nous tuer? Si le diable veut t'utiliser, ne peux-tu pas dire au diable que tu n'es pas disponible? Tu veux mettre ma maison en feu? Es-tu stupide? Comment tu peux sortir et laisser la nourriture au feu pendant que tu es en train de préparer? Je suis désolée, madame. Je voulais éteindre la plaque avant d'aller faire les achats pour madame Stéphanie. Elle avait refusé. Hein? Je voulais d'abord éteindre la plaque avant de l'acheter quelque chose pour elle. Elle m'a interdit de le faire. Es-tu vraiment malade? Comment sais-tu mon nom dans tes mensonges? Stéphanie, pourquoi es-tu comme ça? Tu n'as pas de conscience. Silence. Oh, regardez celle qui parle de la conscience. Pourquoi tu lui avais demandé de préparer pour toi? Hein? Tu ne sais pas? Donc, c'est votre plan de brûler ma maison. Vous avez planifié, non, toutes non, deux, pas ça. De mettre ma maison en feu. Je vais te tuer. On y est presque. Sois juste patiente. Sois juste calme. Ok.
Juste tiens-toi là, ok? Voilà. D'accord. Une minute. Nous voici. Oh. Ok. Finalement. Alors, cette voiture t'appartient. Ah! C'est pas vrai! Oh non, mon Dieu! Papa! C'est le cadeau pour tes études. Merci, merci! Oh, papa! Oh. C'est un cadeau pour ta graduation. Merci! Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime. Oh, merci. Donc, tu veux dire que c'est pour ma graduation? Bien sûr. C'est en effet les cadeaux pour ta graduation. Papa, c'est très voilà. Joli. À présent, j'ai ma propre caisse. J'ai ma propre caisse. Oh, merci beaucoup, papa. Oh, oh ça va. Merci. Tu sais quoi? Je sais que tu ne sais pas conduire, alors je t'ai trouvé un conducteur. Qui va te coacher et t'apprendre à conduire. Ah, tout ça pour moi. Merci, papa. Merci. Vous allez bien? Désolé. Es-tu malade? Qu'est-ce qui ne va pas avec Éloigny? Il ne l'a pas fait exprès. Tais-toi! Stupide! Vous êtes tous les deux malades! Espèce de fou! C'est ce que vous êtes tous les deux! Qu'est-ce que tu es stupide? Qu'est-ce que tu es malade? Comment as-tu osé? Pourquoi? Espèce de malade! C'est ce que tu es! Folle! Qu'est-ce que tu es? Fou! Stéphanie, ma copine, tu avais l'air urgent au téléphone. C'est quoi le problème? Mais qui j'étais vraiment très triste. J'avais vraiment honte de moi-même. Je n'ai jamais été humiliée de toute ma vie comme ça. Pas par quelqu'un d'autre, mais par mon propre père. Tu n'as encore rien dit jusque-là. C'est quoi le problème, Stéphanie? Quoi? Mon père m'a vraiment rabaissée devant cette idiote de Tessie. Comment? Ça veut dire quoi? Je ne te saisis pas. Juste parce qu'elle a occupé la première place. C'est une place ordinaire. Oh! Il lui a acheté la voiture. Et tu sais combien d'est-ce que je l'ai toujours supplié de m'acheter une voiture? Il ne l'a jamais voulu. Quelle insulte! Quel coup! Ça, franchement, ça ne plaît pas aux oreilles. Ta petite sœur roule carrosse maintenant. Pendant que toi, tu es encore en train de te démener ça et là dans cette vieille carapace. Ah bah! Ça, ce n'est pas du tout bien. Et lorsque je retournais à la maison après le sport, je l'ai vue dans sa voiture. En fait, elle voulait même me tuer avec sa voiture. C'est pas vrai! Oui, elle voulait le faire. Oh, 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 mon Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Ils sont allés librement comme ça. Hein? Tu n'as même pas fait une action. Moi, Stéphanie, je les ai tous giflés. J'ai donné à chacun d'eux une gifle. Très bien, il faut être aux aqueux. Et si j'avais vu une pierre, j'allais casser cette voiture. Ça, c'est mon bébé. Tu as bien agi. C'est merveilleux. Hey, tu as bien fait de la corriger.
Si c'était moi, je jure, cette voiture n'entrera même pas dans la parcelle. Ça n'entrera pas. Je jure. Pourquoi? Ne la laisse pas faire. Elle est ta petite sœur. C'est toi qui es censé avoir la voiture avant elle. Tiens-la au cou. Fais quelque chose à propos. N'oublie pas que tu es Stephanie. Celle qui apporte le changement. Ma copine qui emporte tout sur son chemin. Bébé, fais quelque chose maintenant. Vite. Qui est là? Allez, apportez-moi à boire. N'importe quoi. Tu sais, c'est compliqué. Lorsque je regardais, ça me faisait que rire, je te dis. Je te dis, tu sais, les gens sont très compliqués dans ces mondes. Oui, je te jure, ma chérie, c'est compliqué. C'était vraiment chaud, ma chérie. J'étais sûre. Je suis canon. Ma chérie, tu es très canon. Il n'y a pas de comme tu moi. Tu es toute belle, je te jure. Allez, c'est chaud. Ma chérie. Prends place. Tu peux changer de chaîne. Oh, je suis fatiguée. C'est presque à la fin. Stephanie, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu nous as trouvé, mon ami et moi, en train de suivre un programme. Et t'as zappé directement sans demander notre avis. Qui parle là? Franchement, je l'entends à peine. Je ne sais même pas d'où sort cette voix. Oh, Tessie. Tessie, c'est moi. Je fais ce que je veux, partout où je veux, et comme je vais aussi le faire. Alors tu n'as qu'à prendre ton corps et celui de ton ami. Sortez d'ici. Moi et ma meilleure jolie copine, oh, ma copine, voulons suivre ce programme. Mais toi, au fait, l'âge n'est pas la maturité. L'âge n'est pas du tout la majorité. Et tu te refères à qui lorsque tu dis ça? À la chienne qui vient de revenir. Tu essaies donc d'appeler mon ami une chienne? Attends, ne dis pas ça. Non, tu dois me dire. Je t'ai demandé à qui tu te référais lorsque tu parlais de la chienne. Oh, qui encore si ce n'est que toi? En fait, j'allais dire, vous êtes toutes les deux de chiennes. Tu es folle. Tu es vraiment stupide. Tu entends ça? Vous voyez? Vous êtes des folles. Commencez à crier. Allez-y. Je vous attends. Toi, c'est un imbécile. Qu'est-ce que tu as dit? Comment oses-tu insulter mon ami? Ferme-moi cette bouche. Comment oses-tu l'insulter à ma présence? Es-tu malade? T'es folle? Annabelle, je vais te montrer. Comment est-ce qu'une chienne enragée attaque quelqu'un? Stéphanie, ne me dis pas que okay, attends, je vais te faire. Oui, que je vais faire? Qu'est-ce que... Là, tout ça. Tu vas rien faire. Toi aussi. Et cette chaîne, vous allez m'entendre. Laisse-moi.
Allô, monsieur le commissaire. Écoute, je n'ai pas de temps pour les plaisanteries. Non, regarde, non. Écoute, il y a des braqueurs qui ont ravi la voiture à ma fille quand elle revenait du supermarché. Oui, oui, exact. Et tu sais quoi? Ils ont même mis les kilos de la toucher. De la toucher avec leur sale main. C'est ça vraiment mon problème. S'il te plaît, commissaire, en tout cas, je ne peux pas attendre. Ok, oui, je vais attendre ton appel. Oui, très urgent, je l'attends dès que possible. Je veux que ces braqueurs soient appréhendés. Très bien. Papa, qu'a-t-il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, ok, juste calme-toi. Ils vont juste mener quelques enquêtes pour les appréhender tous, papa. Ok? Tiens donc, tu dois arrêter avec ça, maintenant. Nous cherchons une voiture et non la chute de ta tension artérielle. Papa, comment je saurais me calmer? Apaise-toi, juste calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, okay. Vous avez fait du très bon boulot, les gars. En tout cas, bravo à vous. Très bon boulot fait. Écoutez bien, j'insiste, vendez cette voiture très loin d'ici, ok? Vendez ça vraiment là, je vous en prie, parce que mon père veut déjà commencer les investigations. Je vous en prie. Appelez-moi comme vous voulez, ok? Bye. Ma chérie de cœur, ma copine, toi comme tout le monde. Je te fais confiance. Oh, elle a un jeu de cœur. C'est quoi même les billets de banque pour toi? C'est qui apporte le changement dans le jeu? Tu vaux beaucoup pour moi, mon ami. Je te jure. Bébé. Allez, danser. Tessie? Oui? Je dois confesser, tu sais cuisiner. La nourriture est délicieuse. Ça me fait tellement du bien. Je te dis vrai. Je suis ravie que ça te plaise. Stéphanie, tu devrais normalement demander à ta sœur de t'enseigner comment cuisiner. Ce serait mieux, non? Papa, qui a dit que je ne sais pas préparer? Ah, la dernière fois, c'était scandaleux. Dis-lui de t'apprendre à cuisiner, ce n'est pas un problème. Et où est-ce que tu vas? J'ai juste perdu mon appétit. Maman? Qu'est-ce que vous voulez? Papa, pourquoi elle continue de se comporter ainsi? Mange ta nourriture. Dieu.
J'aime beaucoup ma mère et ma sœur. Mais je ne comprends pas pourquoi cette haine constante. Quel mal ai-je fait? Je fais pratiquement tout pour leur plaire. Mais elles ne font que me détester. Maman. Hey! La plus douce de toutes les femmes. Hey! La femme la plus énergétique. Hey! Tu es tellement douce, tellement énergétique et tellement forte. La façon dont tu me l'as fait. Non. Tu sais, tu es vraiment plus douce que la douceur. Allez, arrête, ne me rends pas folle. Ah! Allez, dépêche-toi, je ne veux pas que mes enfants te trouvent ici. Ok. Allez, juste avant que je parte, est-ce que je peux. Tu sais. Allez, ici, avant que mes enfants ne reviennent ici. Ok. Ok, tu m'appelles, hein? D'accord. Ok. Bye. Moi, j'ai très faim. Stéphanie, est-ce que tu connais cet homme? Je ne sais pas, mais sa tenue nous montre qu'il vient de faire un petit travail à la maison. Allons-y, on va demander à maman. Bonjour. Bonjour, oui. Tonton, s'il te plaît, qui es-tu et qu'est-ce que tu essaies exactement de réparer dans notre maison? Oui, qu'est-ce que tu fais comme travail ici? Désolé, mais je dois partir. S'il te plaît, tonton? Tonton! Stéphanie, peux-tu imaginer ça? Il est parti pendant que je lui parle. Moussa? Oui, madame. Viens. Viens ici. Qui est cet homme et qu'est-ce qu'il vient réparer tout le jour dans notre maison? Wallahi, madame, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Wallahi, Bilay, je ne sais pas. Moussa, c'est vrai que tu ne sais pas? Oui, madame. Tessie, je pense qu'on doit demander ça à maman. Comment les cours se sont passés? Ça va bien passé, maman. Oh, bienvenue. Merci. Oui, maman, chérie. Qui est cet homme qui vient tous les jours les après-midi chez nous? Et qu'est-ce qu'il essaie exactement de réparer dans la maison? Je vois que mes anges grandissent. Hein? Il était venu réparer le réchaud à gaz. Mais maman, notre réchaud à gaz n'a aucun problème. Ça marche parfaitement. Allez, ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu connais? Ça fonctionne parfaitement quand j'utilise toutes les deux plaques pour bouillir de l'eau. Mais maman, allez, je... ferme-la. J'ai dit que l'été venait réparer le réchaud à gaz. Quitte de ma présence. Désolée, maman. Je t'explique le fait, tu es toujours en train de me questionner. Ça veut dire quoi ça? Allez, quitte ici. Ne m'entends-tu pas? Maman. Et toi, qu'est-ce que tu attends ici? Tu veux encore me questionner? Qui est ici? Tessie! Quelque chose me dérange.
Écoute, la beauté et le souci ne marchent pas de pair. Qu'est-ce qui dérangerait mon ange? Papa, il y a un homme qui vient chez nous toujours les après-midi. Il paraîtrait que c'est un réparateur et qu'il vient chez nous réparer des trucs, mais il ne m'inspire pas confiance. Ah, je ne comprends pas. Quelqu'un vient ici chaque après-midi. Il dit qu'il est mécanicien. Qu'est-ce qu'il repare alors? Et je n'en suis pas au courant. Papa, je ne sais pas. Je crois qu'il serait mieux que tu fasses des enquêtes. Je veux que tu découvres qui il est et qu'est-ce qu'il vient réparer chez nous. Est-ce que c'est tout ce qui te dérange? Oui. D'accord, ça ne doit plus te déranger, ok? Je vais me charger de ça, ok? Je prendrai très bien soin de ça. Et je découvrirai ce qui se passe, ok? Oui. Et toi aussi, tu dois faire attention et découvrir ce qu'il se passe, ok? Allez. D'accord, ma fille. Ah. Vraiment. Encore merci, encore merci. J'ai vraiment apprécié aujourd'hui, c'était tellement bon. Chérie. Qui est ce jeune homme? Ah, il était venu réparer notre réchaud à gaz. Vraiment? Oui, chérie. Mais pourquoi tu ne m'as pas informé que le réchaud à gaz a un problème jusque-là? Et selon les informations que j'ai, ça fait une semaine qu'il vient ici. Alors écoute-moi, jeune homme. Je ne veux plus voir tes deux sales pattes dans cette maison, ok? Tu as compris? Oui, monsieur. Si je les vois encore, je vais te buter et découper ton cadavre. Ok. Et forcer ta famille à porter le noir comme ça. Tu comprends? Allez, sors d'ici. Oui, je m'en vais, je m'en vais. Donc, t'essayes les kilos de faire des rapports à mon sujet à son père? Oh mon Dieu, heureusement qu'il ne m'a pas attrapé. Mais Tessie paiera durement le prix de ses actes. J'arrive. Donc tu as eu le courage d'aller faire rapport à mon sujet à ton père? Dans cette maison. Allez, lève tes mains. Lève tes mains. Oui, allez plus haut. Garde tes mains en haut, stupide. Tu vas être vue comme une bonne enfant et moi une mauvaise femme. Non. C'est ce que tu fais? C'est ce que tu essaies de faire? Garde deux mains levées. Léo! Tu vas apprendre ta leçon dans cette maison. Tu verras ma face B. Tu es vraiment stupide. C'est parce que tu as une poitrine maintenant. Tu crois que tu as grandi. Tu te crois maintenant permis de tout faire. Sépare tes mains. Que ça reste comme ça. Ose seulement descendre l'humain. N'importe quoi. Tiens-toi droit. Je ne vais pas te voir bouger pendant que je te parle, stupide. Attends, je te ferai voir de toutes les couleurs dans cette maison. Insensé. Bien, je t'ai dit que j'avais une surprise pour toi. Bon après-midi. Bien. C'est qui? Bien, son nom est Lovett, notre nouvelle domestique. Mais je ne pense pas que nous avons besoin d'une bonne dans cette maison. Oui, j'y ai aussi pensé, mais j'ai trouvé que c'était très nécessaire pour te décharger un peu de tous les travaux que tu fais dans la maison. C'est très nécessaire. Tu te plains de quelques douleurs, je ne veux pas que tu te plaignes. Je ne veux plus de plaintes, voilà donc. Alors, c'est pour ça que je l'ai amené ici. Bien, quand tu auras fini, emmène-la dans sa chambre, qu'elle se lave, qu'elle se change. Et comme ça, tu pourras me faire à manger. J'ai tellement faim. Bien, je pars me laver. C'est elle ta patronne, ok? Voilà. D'accord. Pourquoi mon mari tient à engager une bonne? Hein? C'est pour m'espionner? Tôt ou tard, je le saurai toujours. Ok.
Prends tes bagages et suis-moi. Oui, madame. Fais pas trop de bruit avec ton sac. Tessie, tu as dit que tu veux nous voir. C'est quoi le problème? Maman, Stéphanie, si je vous ai offensé, consciemment ou inconsciemment, je vous en prie, veuillez me pardonner. Au fait, d'où provient tout ça, Tessie? Stéphanie, tu as changé. Tu as changé. Tu n'es plus la sœur aimable et gentille que j'ai connue. C'est vrai. J'ai changé. Tu viens juste de réaliser que j'ai changé. C'est ça? Alors dis-moi, pourquoi est-ce que j'ai changé? Pourquoi je ne peux pas changer lorsque tu... te considère plus meilleur ici. Toute ma vie n'est comparée qu'à la tienne. Tessie. Tessie, très bien faire ça. Tessie, fais ceci. Tessie, fais cela. Tessie, 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 Tessie. Et non seulement ça, tu as aussi réussi à envoûter papa pour toujours te considérer plus que moi. Tu l'as vraiment fait. Tu n'es rien d'autre qu'une malchance. Stéphanie, c'est très méchant. Comment peux-tu dire que je suis une malchance? C'est maintenant que tu viens de le réaliser. Tu es une malchance. En fait, tu es une malédiction pour cette famille. J'ai failli perdre ma vie. À ta naissance et depuis que j'étais mise au monde, tu ne m'apportes que de troubles sur troubles. Même ton père a risqué de perdre sa vie quand il venait te rendre visite à l'hôpital quand tu es née. Tu n'es pas seulement une malédiction, mais tu es un désastre. Tu es un échec. Non. Je ne crois pas t'avoir gardé la mon sein pendant 9 mois. Tu es un désastre pour cette famille. Oh, les larmes de crocodile. Les larmes de crocodile. Tessie, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi? C'est quoi ça? Allez, donne-le-moi. Ça fait des jours que tu es dans cet état. Depuis quand as-tu commencé de boire? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi dois-je vivre? Pourquoi dois-je vivre? Hey. Je vais mettre fin à mes jours. Ne redis plus ces mots, ok? Ne reprends plus jamais cette phrase, ok? C'est Dieu qui donne la vie. Tu n'as pas le droit de prendre ta vie comme ça. Non, surtout pas. Ça fait des jours que tu es comme ça. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi? Ne dis plus ça. Maman dit que je suis maudite. Je suis un désastre. Malchance. Papa, est-ce vrai? Ça ne peut jamais être vrai. Écoute-moi très bien. Tu es une enfant bénie et non maudite. Tu es bénie. Tu es la meilleure chose qui soit jamais arrivée à moi, à nous, à cette famille. Ne redis plus jamais ça, ok? Hé. Juste contiens-toi, Tessie. Ok, écoute, ça suffit maintenant. Bien. Suzanne. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quel genre de mère es-tu? Pourquoi veux-tu détruire ta pauvre fille, l'enfant à qui tu as donné naissance? Douglas,
Mais pourquoi tu cries comme ça? Dis-moi, pourquoi? Est-ce que je te dois quelque chose? Mais pourquoi appellerais-tu ta propre fille une fille maudite? Je ne comprends pas. Pourquoi lui dire qu'elle était sur le point de nous tuer? Pourquoi? Pour quel motif? Hein? Dis-moi un peu. Là, vraiment, je suis perdue. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Pourquoi l'appeler une enfant maudite? Pourquoi dire à ta fille qu'elle est maudite? Ce ne sont pas des mots gentils, ma femme. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? C'est une enfant maudite. N'est-ce pas vrai qu'il s'en était fallu de paix que je perds ma vie? N'est-ce pas vrai que tu as failli perdre ta vie en venant à l'hôpital pour la rendre visite quand elle était née? N'est-ce pas vrai que depuis qu'elle est née, tout ce que nous essayons de faire de cette maison échoue? Elle est maudite. Oh, vas-tu fermer ta bouche? Maudite. Ferme ta bouche! Ferme-la! Qu'est-ce qui te prend? Ce sont tes propres enfants. Pourquoi la haïr? Ok, tu penses que je ne sais pas pourquoi tu la hais? Juste parce qu'elle m'a révélé ta liaison secrète. C'est pourquoi tu la hais. Elle n'a pas obtempéré à ton ordre comme Stéphanie. Cet enfant est maudit. Oh, arrête, laisse-moi finir. Es-tu malade? Laisse-moi te prévenir. Si quoi que ce soit arrive à Tessie, tu verras de quel bois je m'échauffe. Elle est maudite. Allez, gifle-moi. Gifle-moi, non? Bats-moi. Gifle-moi à cause de ta fille. Une enfant maudite. Un désastre pour cette famille. Un échec. Comment je peux sortir cette chose dans mes entrailles? Continue.